Là, j'ai retrouvé le sourire parce que chez Xlo, elle m'a trouvé des cils. Ça serait vraiment moi sa meilleure assistante. J'ai trouvé des cils. Je suis trop contente. Je vais avoir des cils. Et en plus, elle m'aide, elle lit mes CV alors que je suis super triste. C'est moi qui choisis vos CV, faites attention. Mais J'ai votre destin entre vos mains, non, entre mes mais mains. aujourd'hui, c'est une journée trop rude parce que entre l'annonce de ma comptable. Voilà, il y a eu plein de trucs aujourd'hui. Du coup, voilà, j'étais triste, mais là, j'ai des cils. Enfin, pas là maintenant, genre jeudi. Par contre, vous êtes les plus choux du monde, genre, je reçois plein de messages et vous me dites que je suis trop belle sans cils. Non, mais genre, je vous aime. Coming in hot. Coming in hot. Hey, why not? Yeah, coming in hot. Amour, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas parlé de la journée, mais parce que bah, j'ai fait plein de trucs ce matin et là encore, et j'ai à peine de. Mais je suis une menteuse, j'ai même pas fini mes trucs. J'ai encore mille et un trucs à faire et surtout le montage d'une vidéo qui sortira demain, qu'il faut absolument que je finisse. Voilà, ensuite j'ai un cours d'anglais à 17h40. J'ai vraiment 5 milliards de trucs à faire. Vraiment, genre, je suis débordée en ce moment. Insta aujourd'hui, mais c'était pour la bonne cause. J'ai fini ma vidéo. Normalement, elle sortira demain. Et normalement, il y aura aussi dans la foulée une nouvelle vidéo dimanche prochain. Et dimanche prochain, du coup, ce sera la FAQ bah, sur tout ce que j'ai fait de nouveau en chirurgie, les dents, mes hanches et puis toutes les autres questions que vous vous posiez. Normalement, ça va se dérouler comme ça parce que du coup, aussi vendredi, je pars. Voilà. Et du coup, bah demain, j'ai une tonne de RDD parce qu'il faut que je refasse mes ongles, mes cils, mes cheveux, tout avant de partir. Et voilà. Et là, je vais clairement vous faire un unboxing. Voilà, tout simplement. Tout d'abord, je vous montre ce que j'ai acheté chez Sephora. Du coup, c'est la gamme toujours Olaplex. Vraiment, je vous la conseille pour ceux qui ont les cheveux abîmés. Ça m'a permis de réparer les cheveux. Donc, c'est le numéro 4, le shampoing, le 5, le conditionneur. Et ça, c'est un soin qu'il faut que je teste. Voilà. Close your eyes and let the word paint a thousand pictures. One good girl is worth that. Le nouveau parfum de la marque Kyle Ali, c'est Huda Beauty et sa sœur. Il est au safran, à la bergamote, à la rose, à la vanille. Et je viens de le sentir, franchement, les gars, si vous cherchez un parfum, foncez, il sent trop bon. J'ai reçu l'agenda de la reine de l'astrologie, la queen, mais pas que de l'astrologie. Elle est trop chou, Shera, je l'adore vraiment. Elle me l'a dédicacé, elle m'a fait un petit scorpion là. On est trop fan, il est juste trop beau, vraiment. Aussi un petit colis de chez Nars. J'adore comment ils ont fait le packaging, vraiment. Donc, trois fonds de teint. C'est pas du tout les couleurs qui sont affichées là. Mais en tout cas, il est super gros. 50 minutes de contenance. Je peux pas vous dire s'il est bien. J'ai pas testé, mais je vais tester et je vous en dirai des nouvelles. J'ai reçu un colis de la reine mère Kylie Jenner qui a sorti son nouveau nettoyant. J'y arrive jamais. Visage qui a l'air trop bien. Un démaquillant fondant. Donc, j'ai trop hâte de tester et surtout, vu que je ne suis pas une vraie influenceuse. Je ne vais pas y arriver, mais on a son bandeau, trop beau. J'adore.
moi je